Salut à tous les amis, c'est StyleGeek, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve, on est le mercredi 17 novembre, il est exactement 15h57. Je fais cette petite vidéo un peu à l'improviste pour un peu tirer un coup de gueule en fait sur le prix des cartes graphiques qu'on va retrouver sur le marché de l'occasion. On va discuter de ça juste après. Déjà je tenais à vous remercier, 13 491 abonnés. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent. Si toi tu regardes la vidéo et que tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à mettre ton pouce bleu, ton commentaire si bien sûr le contenu te plaît. Tous les rageux les haters, dépêchez-vous de mettre vos derniers pouces rouges, vos pouces rouges, parce que YouTube est simplement en train de faire marche arrière sur les pouces rouges. Ils vont enlever ça parce qu'il y a eu beaucoup de discrimination, etc. Donc ils sont en train d'enlever tout ça pour qu'il n'y ait plus de haters. Donc je vous laisse l'espace commentaire pour vous défouler et non pas au sujet de la vidéo. Alors, tout simplement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un peu, je vous ai mis un petit sondage sur YouTube pour savoir quel type de vidéo vous aimeriez regarder. Vous avez été 40% ou 38%, je crois, à voter les rigs sur Le Bon Coin. Donc aujourd'hui, simplement, on va parler des prix des cartes graphiques en général, des prix d'une structure. Est-ce qu'il est intéressant de se lancer maintenant? Je vous ai déjà fait une vidéo en vous disant qu'il fallait attendre parce que du coup, la difficulté était extrêmement haute. De plus, le prix des cartes graphiques est en forte hausse, donc moi, mon conseil personnel actuellement, c'est d'attendre, de patienter un petit peu avant de vous lancer. À savoir que là, on est dans un marché qui est haussier, donc forcément, il y a de la demande de cartes graphiques, forcément, les jeunes mineurs s'intéressent au minage, et forcément, ben, qu'est-ce que vont faire les revendeurs? Tout simplement, ils vont monter le prix de leur GPU. Là, on retrouve actuellement des 1660 Super, des 2060 Super aux alentours des 700, 650, 700, 800 euros. C'est un truc de gueudin. Et encore, j'ai des abonnés qui m'ont envoyé des messages en me disant qu'ils avaient trouvé des GPU aux alentours des 1000 euros pour des 1660 Super. Donc, les gars, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais en tout cas, mon conseil, c'est patienter. Et là, je me suis baladé sur Le Bon Coin tout simplement parce que je cherchais les cartes graphiques. Je me suis dit, tiens, je vais regarder des fois si on peut trouver une bonne affaire. Ça serait plutôt intéressant. Je mets tout simplement, vous voyez, dans ma recherche, là, j'ai mis simplement RIG, toute la France, informatique. Voilà, bon, après, moi, je suis en Espagne, donc j'aurais fait transiter ça par des membres de la famille pour qu'ils me renvoient après derrière le RIG, enfin, ou la carte graphique, peu importe. Mais quand je suis tombé sur des RIG, j'en ai mis plein en sélection, là. Il y en a un, attendez, il faut que je vous le retrouve. Bon, on va commencer. Alors, déjà, pour faire simple, je bois un petit coup. Ah! Pour faire simple, il y a beaucoup de rigs qui vont être intéressants en termes de rapport prix-MH. Plein d'entre vous me disent « Oui, StyleGeek, j'arrive pas à me lancer, patati, c'est trop cher, etc. On trouve que des trucs à 20-25 euros le MH. » Les gars, moi dans mes vidéos, dans tout ce que j'achète en matériel, je suis à moins de 15 euros le MH pour du matériel neuf. Et en occasion, j'ai tapé la dernière fois 9 euros le MH, donc ça reste en Espagne. Plein vont me dire « Oui, mais c'est impossible, machin, truc bidule. » Non, faut juste chercher les amis. En cherchant, vous trouvez n'importe quoi. De l'occasion, premièrement, ça se négocie. Forcément, n'allez pas avec le gars vous demande, en demande 3500 euros. N'allez pas avec 3500 euros dire ben là, tiens, je t'ai payé sans négociation. Du matériel d'occasion, même des GPU, vous pouvez négocier si vous arrivez avec la liquidité. Ça sera toujours négociable, quoi que vous achetez d'occasion. Le gars, il vous dit ouais, je peux pas négocier, machin. Alors oui, forcément, il y en a qui vont vous dire non, je ne peux pas négocier. Mais si c'est de l'occasion, que le gars, ça fait 6 mois, 1 an que ça tourne, il y a de la poussière. Le moindre truc qui est sale, poussière, rayure, etc., vous négociez. Si le gars ne veut pas, vous, tant pis, vous en trouverez un autre. Là, je vous en ai mis deux qui sont pas mal, qui pour moi sont des rigs bien pour commencer. Ça reste des rigs de cartes d'ancienne génération, mais ça reste quand même pas mal du tout. Donc le premier, c'était celui-là. Donc forcément, là, on est sur des RX 588 Go, donc des très très bonnes cartes pour miner. Vous allez pouvoir miner de l'Ethereum classique, du Ravencoin, de l'Ergo, du Flux, du Conflux, enfin n'importe toutes les crypto-monnaies. Elles disposent de 8 Go de VRAM. Ça, c'est un avantage par rapport aux 1660 et aux 2060 en 6 Go. Là, vous avez 8 Go de VRAM. Donc ça, ça va permettre une durée plus élevée dans le temps pour votre rig de minage. Donc ça, c'est pas mal du tout. De plus, donc on voit que là, le rig, il est à 4200 euros. Le gars, il dit qu'il a deux alimentations, 6 588 Go. Environ 185 MH. Donc on est sur un prix qui est relativement élevé du prix du MH. Si on fait le calcul, on est à 4200 que divise 185, on est à 22 euros le MH. Donc forcément, on voit déjà que le prix il est en chute. Il y a une négociation qui va être possible. Hein. Forcément, vous dites, voilà, vous trouvez des arguments pour négocier. Je ne vais pas vous apprendre à négocier du produit d'occasion, mais ça se négocie.
et possibilité de le voir en fonctionnement. Donc ça, c'est un petit plus. Aucune carte graphique ne sera vendue séparément. Annonce en ligne est égale rig disponible. Donc, vous pouvez aller voir les annonces. Il y en a énormément. Vous voyez ça, rien que ça, une annonce comme ça. On regarde les photos déjà. Donc, le rig a l'air propre déjà. Monté sur un petit châssis en aluminium avec du tube de 20 par 20, avec des tampons d'emboîtement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il a deux alimentations. Ok, après bon, au niveau des alimentations, c'est pas ce que c'est. Au niveau de la carte mère, c'est pas ce que c'est. Les risers non plus. Donc ça, c'est tous des moyens qui vont être de négocier. Donc après, je vous laisse faire, mais ça, c'était un des rigs déjà qui était pas mal, qui pouvait se négocier facilement. Ensuite, donc c'était celui-là. Donc voilà, un petit rig comme ça, 169 mH, 3000 euros. Donc là, il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais Steak Geek, c'est de la carte de merde, etc. Alors pas du tout, c'est de la très bonne carte déjà pour miner. Il a miné alimentation. PC classique, donc il a deux alimentations, donc vous avez la possibilité de faire évoluer le rig, pardon. Et en plus, on est sur une BTC 37, donc avec les 8 ports, je crois, ou oui, c'est les 8 ports, pour pouvoir mettre les cartes directement sur la carte mère comme ça. Donc, vous avez la possibilité de faire évoluer cette config. Vous voyez qu'on est à 6 cartes plus une carte, on est à 7 cartes, il y a une carte que vous pouvez rajouter pour atteindre facilement les 200 mH, 190-200 mH. Pour 3000 euros. Donc là, vous pouvez arriver très facilement, négocier le rig aux alentours des 2600, 2700, 2800, 2900. Peu importe, vous négociez le rig. Le but, c'est d'avoir le rig le plus bas possible. Donc, trouvez n'importe quel argument pour négocier. Après, n'allez pas lui dire, ben voilà, 1000 euros, frère, tu pars avec, enfin, je pars avec. Et non, 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 vous soyez raisonnable, soyez pas offensant, j'ai envie de dire. Mais là, vous voyez que 169 mH, 3000 euros, on fait le petit calcul. Voilà, 3000 euros. Que divise 169, on est à 17 euros le MH. Vous avez une négociation qui est possible, forcément, vous arrivez, vous négociez, etc. Alors certes, on n'est pas sur la carte dernière génération, on est déjà sur la 1060, la 1080, mais ça reste un prix très correct actuellement sur le marché. J'en ai plein qui m'ont dit, oui, à Steak Geek, actuellement, le prix du marché, c'est 28, 29, 30 euros le MH. Oui, forcément, il y a des fous qui vont vous mettre des rigs. Allez, je vous en ai mis tout à l'heure à côté, là, c'est pas compliqué. Voilà, donc là on a. Ah non, c'était pas celui-là, attendez, c'est. Là. Voilà. 28 000 euros, les gars, on est à 1000, un peu plus de 1000 mH. Ouais, aux alentours des 1000 mH, on est à 28 000 euros. Écoutez-moi bien, 28 000 euros. Là, il faut faire très attention, les amis, quand vous achetez du matériel comme ça. Donc, certes, c'est de la bonne carte, on est sur la 3070, il y a deux rigs. Hein. Il y a de la 3090, 3060 Ti, 3070, 3080. Franchement, ça reste, voilà, ça reste des prix un peu fous pour, à l'heure actuelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si ça mine de l'Ethereum, même si tu fais 1000 euros par mois avec ça, 1200, 1300 euros par mois, ça reste quand même un prix qui est abusif, hein, 28 000 euros. Le temps que vous nous rentabilisez cette config, surtout que là, pourquoi les gens, je vais vous expliquer, vendent leur rig maintenant et pas dans 2 mois ou 3 mois? Tout simplement parce qu'actuellement, on a une demande qui est abusive. Forcément, il y a peut-être 10 demandes de cartes pour un fournisseur qui en fabrique deux. Donc forcément, la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Donc ils montent les prix. Et en plus de ça, ils montent les prix juste avant le bear market. Donc là, quand il va y avoir le bear market, pardon, retournement du marché, Inch'Allah, si ça arrive ou pas, on verra. Mais normalement, c'est censé arriver comme tous les cycles, tous les 4 ans. Et donc forcément, qu'est-ce qui va y arriver? Avec ce retournement marché, ça veut dire que la plupart des mineurs, hein, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, qu'est-ce que tu vas faire après et pendant le bear market? Est-ce que tu vas éteindre des rigs, etc. Alors non, moi, je ne vais pas éteindre mes rigs parce que justement, c'est là où pour moi, ça va être le plus rentable, puisque je vais pouvoir miner avec moins de difficultés, donc miner plus d'Ethereum et donc rapporter plus de tokens. Certes, on aura moins d'euros, mais on aura plus de tokens, donc ça va être intéressant. Et pourquoi ces personnes-là vendent leurs rigs maintenant? C'est parce que là, actuellement, ils peuvent en tirer 28 000 euros. Enfin, ils les mettent en vente à 28 000 euros. Je ne suis pas sûr qu'ils les vendent tout de suite. Mais même si là, la personne arrive à les vendre à 22, 23, 24 000 euros, par rapport à son prix d'achat, s'il a acheté les cartes au bon moment, comme moi, qui était à 579, 600, 650, 700 euros les 3070, il fait un x2, x2,5 sur les cartes. Ça reste pas dégueu. Ça fait une bonne plus-value en moins d'un an. Hop, c'est dans la poche. Il a miné et hop, il a récupéré de l'argent. Donc ça, faites gaffe quand vous achetez des rigs, surtout à ce prix-là. Moi, je ne vous conseille pas d'acheter des rigs à ce prix-là. Ensuite, je vous en ai trouvé un autre là. 690 mH, on est sur de la 3080. Donc c'est de la FE, 18 500 euros avec une gigabyte. Et en plus, on voit qu'elles ont toutes été repad. Donc déjà, 18 500 euros, ça reste un peu cher, surtout que c'est des FE.
Donc là, je vais parler du prix d'achat, mais là, si c'est DFE, à mon avis, il les a chopés tous avec des drops chez LDLC sur un prix de 719 euros. Donc même s'il y en a 6, c'est bien. Mais voilà, déjà, 630,80, ça ne sort pas, comme on dit, 690 MH. Donc il en a une 7e, j'ai vu, j'avais pas vu, excusez-moi, il en a une 7e. Donc il y a 730,80, 18 500 euros. Ça reste très cher. Là, c'est pareil. Moi, je me fie au prix d'achat de la carte. Là, s'il revend ça, normalement, s'il a acheté au prix d'achat, on est à moins de 7 000, 8 000 euros le rig. Là, il fait un x2, x2,5. Donc, ça reste encore extrêmement cher. Donc, ça, faut bien faire attention, les amis. Donc, certes, ils achètent des cartes pas chères, ils les revendent chères. Ça, c'est bien pour eux. Mais faites gaffe. Et dites-vous que vous pouvez acheter, en termes de comparaison du MH, vous pouvez acheter des cartes qui sont plus petites. Que je vous disais tout à l'heure, hein, de prendre des cartes 8 Go minimum, mais si vous commencez, vous pouvez commencer avec des cartes plus petites qui auront un rendement, allez, un prix du MH équivalent, mais sauf que vous ne ferez pas de douille sur le prix. Donc voilà, vous pouvez aller des anciennes générations 1060, 1070, 1080, 1090, 2070, 2080, etc. Et voilà, en tout cas, actuellement, il faut faire bien attention au prix du marché. Quand là, tu vois 730,80 à 7, 18 500 euros, moi, je peux te dire que j'en ai un paquet aussi de cartes graphiques, j'en ai plus de 120. Donc, imagine-toi les couilles que je peux me faire en or. Hein, c'est voilà. Tant mieux s'il le vend, tant mieux s'il le vend pas. Enfin voilà. On va en faire un autre encore. Donc là, il y avait, voyez la comparaison déjà entre 690 MH à 18 500 euros et 650 MH à 14 500 euros. Donc déjà, il y a une différence de 4 000 et des brouettes. Hein, donc ça coûte, c'est déjà énorme. Là, 4 500 euros, on voit que le prix il en baisse. Pareil, vous faites une petite proposition au gars, vous dites voilà, moi ça m'intéresse, que je peux venir, machin, tac, 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 tac. Vous venez avec l'argent, vous prenez, je sais pas, 10 000, l'argent que vous souhaitez mettre, l'argent que vous souhaitez perdre, que vous n'avez pas peur de perdre, bien sûr. Voilà, si vous sortez un rig comme ça aux alentours des 10 000 euros, ça reste quand même, dans tout bien, tout honneur, ça reste un bon investissement. Voilà, c'est là, on reste sur un prix qui est quand même assez correct, mais faites attention quand même. Hop, la caisse j'avais mis de côté, voilà, j'avais mis celui-là. Vous voyez que 375 mH, 10 000 euros, composant de qualité, certes. À côté, on avait 14 500 euros, 650 mH. Certes, le rig, il n'est pas aussi propre que l'autre à côté, mais on s'en fout de la propreté, on s'en fout de ce que le rig, il est beau, est-ce que le rig, il est joli, est-ce qu'il y a toutes les mêmes cartes et tout. Là, ce qu'on veut, c'est faire de l'efficacité. On veut que ça mine, on veut que ça tabasse, on veut que ça donne de l'Ethereum, quoi. Donc ça c'est pareil, c'est trop cher, hein, même si les cartes elles tournent aux oignons, là comme on peut voir, on est sur de la 3070 qui tourne à 62,56. Propre, vraiment rien à dire. 116 MH, voilà, très très propre. Le rig, alors là vous avez un rig, comme j'aime le dire, aux oignons, un rig du seigneur. Il y a de l'Azotac, il y a de la MSI. En plus c'est de la Suprimix, si je dis pas de conneries. Et là c'est de la Zotac Twin Fan. Ouais, ça les vaut pas, mais c'est joli. C'est sûr que si vous me prenez un rig comme ça, vous me le posez dans votre salon et là, vous avez un chauffage pendant l'hiver. Putain, excellent, excellent, ces amis. Donc là, je vous ai mis ce petit rig. Pourquoi? Ça m'a fait rigoler. J'ai un abonné, je crois que c'est lui en plus. Alors peut-être, c'est peut-être pas lui, mais je crois que c'est lui. Voilà, qui avait des rigs. Et quand j'ai vu cette photo, il me les a envoyés. Je me suis dit, putain, mais je crois que c'est lui et tout, machin. Alors, je suis pas sûr que c'est lui du tout, hein. Je vais pas blâmer, mais ça m'a fait exactement penser à lui. On dirait que c'est exactement ça. Et puis, les amis, qu'est-ce qu'on remarque en premier sur cette photo? Me dites pas, je sais pas. On remarque les ventilateurs du Seigneur, là, que je vous conseille tout le temps. Regardez. Allez, allez, pour pas vous mentir. Ils sont là, les ventilateurs du Seigneur, les amis. Ça, si vous les avez toujours pas achetés pour votre rig, achetez-les. C'est vraiment un bijou. Efficacité, puissance. Prix, par contre, un peu bruyant, mais ça va. Donc voilà, je voulais voir 2215 MH. Là, on est sur quand même de la grosse Bertha, on est sur du rig de compétition. On est sur de la. Le gars qui a ça chez lui, je vous dis qu'il blague pas. Le gars, il est là, il est là pour faire du MH, il est là pour tapiner. On voit qu'on a. Je sais même pas ce que c'est comme carte mère, de là, je ne pourrais pas voir, je suis pas devin, hein, ni divin, mais voilà. Et ça, par contre, là, on est sur un rig, comme je l'ai dit, de qualité. Quand on voit qu'il y a que de l'AFE comme ça qui est branché. Mazette, mazette, mazette. Excellent, les amis. Donc, on va finir sur ce petit mot de la fin, les amis. Voilà, je vous mets une belle image de rig. Simplement. Ah, la belle image. Là, voilà. Moi, ce que je vous conseille maintenant, c'est d'attendre avant de vous lancer.
ou de trouver vraiment des pépites sur le bon coin, une occasion à très bon prix. Vous pouvez en avoir, vous en aurez toujours et ça ne s'arrêtera jamais. Il y a de la demande, il y a de la vente, vous pouvez négocier. Faites appel à votre cerveau de commercial, les amis. Mais en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. C'était StyleGeek. Et bientôt, on fera la vidéo des pires rigs sur le bon coin, des trucs à déféquer dessus. C'était StyleGeek, je vous dis à très bientôt. Ciao!